Et plop les gens! De retour sur Minute. Oui. Alors là, il nous manque quelqu'un. On s'y remet. On m'a offert la suite avec celle de là. On s'y remet. Je sais plus ce qu'il faut trop faire. Parce que ça fait une semaine et j'y ai pas réfléchi alors que j'avais dit que je devrais réfléchir. Je dépense. Je me souviens qu'on était pas mal bloqués aussi. Le salaire est nul. C'est un bon boulot pour se faire. Okay. Si le seul truc qu'on avait aperçu, c'est. Lui me dit quoi c'est l'air de parking derrière. L'air de parking derrière l'usine qui permet de. Permet de quoi déjà? Qui a des gens, il y a des choses comme ça, mais on sait pas quoi faire. Ce qu'il faut, c'est détruire l'usine. C'est tout ce que je me souviens. Et l'usine, c'est par là. Ça change des graphismes juste avant, là j'étais en train de jouer à Moonlighter. Ça change beaucoup. Ok, oui, ici on est là. On va se mettre ici. Basket. On s'en fiche des baskets. Là, on a. Non, là, il y a une partie en feu qu'on n'a pas fait. Il manque les tentacules. On se rebalade un petit peu. Ça fait longtemps pour moi. Alors, tu me l'avais dit, mais c'était faux. Ah oui, comment je fais pour balancer mon épée? Faut que je maintienne la touche. C'est ça. Alors. Un truc comme combat là, ça sert à rien. De l'autre côté de l'usine, mais comment on fait pour l'arrêter de l'autre côté? Que là, il roule tout seul ce tapis. Et on avait déjà regardé, mettre des caisses, ça ne sert à rien. J'ai essayé de lui balancer l'épée dedans, je sais plus, je crois. Peut-être qu'il faut réussir à lui balancer les trois caisses. J'ai jamais balancé trois caisses. En plus, le bruit change. Il y a des chances que ce soit ça. Oh punaise, 10 secondes. C'est sérieux. C'est pour une minute. Et je sais plus ce qu'il y a en bas à droite, mais on va vérifier de cette salle.
Ah, il y a un peu de fumée qui sort aussi. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de fumée qui sort. Et là, au cas où, il y avait une autre boîte. Donc on a bloqué les deux alimentations, donc ça produit plus rien, c'est juste des tapis roulants qui avancent. Mais est-ce qu'il faut quand même bloquer ce tapis roulant là? Vite, coince ton épée dans le mécanisme. Hein? Ah, dans le mécanisme, peut-être pas dans la lame. Elle bloque. Elle est bloquée, de l'eau, vite, vite. Ok. Vite, de l'eau, de l'eau. J'ai pas le temps. 15 secondes pour faire l'aller-retour, non, j'ai pas le temps là. Ah. Non, je me suis cogné, ça ralentit. Ça perd toute l'inertie des baskets. Je n'ai plus mon épée. Tu as laissé ton épée à l'usine? Va la récupérer. Ok. Si jamais on a oublié pourquoi on n'a plus d'épée et qu'on peut plus rien faire, ils nous ont mis un PNJ. Et l'autre nous dit comment la récupérer. Méga épée, nouvel objet. Les épées repartent dans l'autre sens, à toi de jouer. Moi de jouer comment? Safety Inspector, succès. Ça ne sert à rien, c'est trop tard pour m'arrêter, moi pas. C'est Monsieur Épée. Ok. Shut down the Sword Factory, c'est ça le Safety Inspector. 14 succès sur 27. Qu'est-ce que ça? Mais je suis stupide. Voilà, je me suis pris un dégât à chaque fois en me disant c'est pas si grave. Alors ce boss fight a l'air long et bizarre. Ok, déjà. Ok. On se plante dans le sol. Du coup, j'ai quelques secondes pour les buter. De quoi? Je dois vous avouer que c'est compliqué en noir et blanc comme ça de savoir tout où je suis. Qu'est-ce qui fait des dégâts? À quoi je dois faire des dégâts? Mais ouais, surtout, qu'est-ce qui va me faire des dégâts là dans les deux secondes? C'est compliqué.
l'épée est brisée. Nouvel objet, épée brisée. Un tout petit peu. Ah, je peux donner des coups d'épée brisée. Je peux mourir en me collant. Je n'ai plus qu'un cœur, c'est ça. Mais j'ai plus le timer. Donc la malédiction est levée. Il n'y a pas le tentacule. Minute. Succès. Et c'est donc sur cette dernière VOD de 10 minutes. Ah mince, découvert 63% seulement, donc même pas la moitié. On va quand même continuer la vidéo là-dessus, je pense. Un jeu créé par Kitty Callis, Jean-Willem Ninchman, Jukio Callio, Dominique Johan. Doublage et programmation appareil photo graphisme promotionnel, ok. Devolver Digital, donc ça c'est l'éditeur. Second Century Toys, ok. C'est des gens qui ont participé à la propagande, j'allais dire, au marketing du jeu, de près ou de loin. Mais ça m'a l'air d'être que les 4-5 premiers que j'ai cités qui sont vraiment les développeurs. Bref. Remerciements particuliers, oui, ça c'est fini. Comment ça, 44 secondes, 43? Pas bouger en plus. 40 secondes. Bonjour, mon chien. Seconde Odyssée débloquée. Ah. C'est le New Game Plus. Genre, si je fais continuer, j'ai quoi? J'ai toutes mes vies. Ok, donc soit j'explore là, avec la grosse épée, sans battre le boss. Ah, c'est pas vrai. Soit je pars en New Game Plus, genre pour la première fois de ma vie. Mais il me manque. Ah, mais je suis débile. J'étais en mode ouais, il me manque l'endroit là-bas avec les flammes, mais en fait. Hein? J'espère que le feu éteint reste éteint. Mmh.
Non. Ah, ou alors, en fait, non, mais j'ai essayé de pousser. C'est marrant parce que de l'eau, j'ai une épée cassée. De dos, j'ai une épée cassée, mais quand je tape, c'est la méga épée. Non, d'accord. Donc c'est pas faut aller faire ça puis revenir avec l'épée. Oh. J'essaie de tout éteindre, voir si ça fait quelque chose, à part que je ne vois plus rien. On va essayer de manger les murs. Alors je me suis débloqué pour pas savoir quoi faire. Sinon je voulais voir s'il y a entre les bottes et les... Maintenant, c'est peut-être suffisant pour aller explorer la partie là-bas, ou alors il me faut encore un cœur et je ne sais pas trop comment. C'est peut-être le temps d'y aller. Ah, j'y suis presque. Hein. J'essaie de laisser un petit coup, je sais plus si j'étais full life. Je crois que oui, mais. Presque. Il manque un cœur. J'avais pas eu l'impression spécialement de speedrunner le jeu, hein, j'avais eu l'impression d'avoir à peu près tout exploré. Mais c'est vrai que j'ai pas... Encore une pièce? Genre faut les buter combien de fois pour avoir une pièce? Aux acharnés démons du bois survie. Pour avoir élaboré la vie, oui, donc ça c'est bon. Au paradis des chaussures, jamais l'on en mûre. On emmure quoi? Okay.
Peut-être pour ce mur-ci, mais... Et eux, là, ils me servaient à quoi ? À rien. Normal, 126, d'accord. Vie 136, 2 heures de jeu. 119 zones, ok. Au moment qu'on a arrêté les livraisons, ouais. Ah oui, et là, c'est bloqué. Peut-être. Ça a l'air bloqué en tout cas. Je vais regarder depuis le paradis des cochons justement. Encore une fois. Non, c'est là-haut. D'ailleurs, c'est passé de à 120 zones. Non, non, y a rien, y a rien. Rien de plus que je ne connaissais déjà. Il me manque une tentacule. Là-haut, c'était quoi déjà ? Le départ de la demeure roule. Végète avant que tu ne meures. Là aussi c'est un... Ah c'est le... C'est peut-être le départ plutôt que le départ avec leur police pourrie. Mais roule, végète avant que tu ne meures. Autant rouler, j'ai pas de roulade. Végète, c'est quoi c'est... Ah mince, misclic. C'est... Ça veut dire quoi végète? C'est... Je bouge pas quoi. Avant que je ne meure, ok, mais... Il me faudrait un cœur, mais je ne sais pas où le trouver, et au moins ça me débloquerait un peu plus. Si c'était bien par là qu'il fallait aller. Explorer toujours les mêmes zones. Mais...
Est-ce qu'il y a une autre tentacule ici que je n'aurais pas vu, par exemple? D8 est dissimulé où les cousins des mulots sont terrés. Hein? Une D8, mais D8 quoi? Dissimulé, d'accord. Où les cousins des mulots. Cousins des mulots, c'est quoi? C'est les souris sont terrés. Ou les taupes. Et j'ai pas vu d'endroit taupe ou de souris. Mais c'est quoi ce jeu? Non plus, il n'y a pas de tentacules. Et là, c'est le... Ouais. Découvert 66%, objet 14 sur 16, donc presque tout. Pièce, il m'en manque la moitié. Cœur, j'en ai la moitié aussi. Mais c'est abusé. Je suis très perplexe. Mais bon, je pense que je vais quand même arrêter la vidéo là-dessus. Ou alors je lance vite fait. Quitter. Je vais lancer vite fait le New Game Plus, voir si. S'il y a quelque chose de différent dès le début. Et. Comme ça, ça fera une vidéo un peu plus dans les tailles habituelles. Normal, genre en mode normal, jouer la seconde Odyssée. Et du coup, s'il y a la troisième Odyssée, vu qu'il y avait normal, point d'autorisation, point d'autorisation. Bref. Écraser cette guerre, non, continue, commencer une nouvelle partie. Alors. Bonjour. C'est le même monde, c'est le même monde. Je peux pas passer sur l'eau, non. Mais je peux aller là, je peux me faire buter par le crabe, je suppose. L'eau est chaude et claire, ici. Ok, cool. J'allais dire, il n'y a pas l'épée, mais si, elle est là, c'est déjà l'épée brisée. 40 secondes. Et oh. Déjà. Nage à l'ouest.
crabe solitaire. Déjà, c'est peut-être pas la même chose. Si, c'est la même chose. Puis rocher émergé. Cap au sud. Cap au nord. Haha. J'ai bien fait de rester, c'est déjà pas là. C'est un peu différent au moins. Mais nager, c'est pas pour tout de suite. J'aurais dû chercher. Là c'est un crabe solitaire. Ah ouais, il me semble qu'il y en avait plus d'un. Et c'est vraiment 40 secondes maintenant. Oh punaise. Alors maintenant ça y est, on est censé connaître le jeu. Explorer. Maintenant, je peux pas encore couper les arbres, mais là, avant, il était grand l'arbre. Donc le. Il fait sombre là-dessous, prudence. Ok, on peut pas pousser, j'avais oublié. Ah ouais, d'accord. Non, c'est faux, j'ai oublié et on avait récupéré une lanterne à un moment, c'est pas possible. Ça sert à rien d'aller au sous-sol, autant voir là, je me souviens un peu plus ce qu'il y a. Il y a une clé. Une clé pour. Je ne sais plus. Ah oui, j'ai qu'un PV, donc en plus je peux pas explorer les trucs. Donc pourquoi pas, parce que j'ai qu'un PV. On va se faire tous les crabes du monde et retourner voir l'aubergiste. Là il y avait trois crabes. Ils apparaissent que quand il en parle. C'est parce que non. Ou alors c'est les deux en bas et celui d'au-dessus. J'ai cru que je l'avais pas. Là je crois qu'il y en a un aussi. Ça je les fais tous et après je vais les voir. De ce dernier crabe. Mais il est où ton dernier crabe? Ah si, la clé me permet d'aller où? Phare. Merde, lui il a tourné. Il n'y a pas de crabe.
Mais... Ce jeu n'a plus aucun sens. D'accord, le cinquième c'est celui qui est là-dedans, je viens de comprendre. Ok, ça a commencé mal. Mince, il y en avait un tout à droite. C'est bien ça. Ok, on a compris. Oh, j'espère qu'il me valide. Je crois que oui, mais je suis pas sûr. Il faut buter les 5 crabes et lui dire bonjour en moins de 40 secondes. Tout ça pour pas me débloquer parce que c'est un nouvel objet, c'est ça? Ah si, café, ça me permettait de pousser les boîtes. Je sais plus. J'aurais dû aller en haut pour pousser la boîte. C'est celle à côté du bar qui me sont venues en tête. Oui, c'est ça.
Non, mais là, on s'en fout. C'est la clé qu'il faut aller chercher maintenant. Ok, je sais pas pourquoi ça passe pas l'autre. Et la tour est quand j'ai pas le temps d'y arriver. Si je n'ouvre pas la porte, j'espère quand même. Je vais l'ouvrir cette fois-ci. J'ai une lampe torche. Et on me suicider. Pour aller là. Il n'y avait pas un... Non. Une pièce cachée. Par contre, il y avait un squelette. Donc, il y avait un fantôme qui avait quelque chose à me raconter. Pas eu le temps. Parce que j'ai fait demi-tour. La vache. Est-ce que je peux passer par là? Non. Mais lui, il me sert à rien. J'aurais pu ramener l'eau. Ok. Ok. J'ai du désert et il est où l'oasis? Parce que là en 10 secondes je suis pas en train de faire l'oasis. Et il y en aura deux. Là aussi, c'est peut-être ce que je n'avais pas vu. Ah, mais le cactus, ça me tue vraiment. Et le naufragé du désert, il est où? Tombe secret, ok, il est bien là. Salut.
Vraiment, on tue les cactus en les arrosant. On dirait. Et toi, il te manque tes 8 tentacules. Hey, 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 oh, hey. Quelle vie. D'ailleurs, je suis pas allé le voir dans mon autre partie. Oui, non, mais ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. En plus, ça sera un labyrinthe. Parce qu'il n'y a pas que un passage maintenant. Bon. Première pièce, youhou. Je me suis entièrement bloqué, youhou. C'était pas cette pièce avant. Bon. Sur ce, je vais m'arrêter là pour une minute. J'espère que ça vous aura plu, malgré que il restait quasiment plus que le boss final sur la partie normale et que le New Game Plus, je suis perdu. Enfin, de toute façon, ça m'amuse rarement de rejouer un jeu que j'ai déjà joué. Donc, même si c'est un peu différent, c'est un peu trop identique. Et j'ai déjà oublié, et bref, j'aime pas trop. Mais c'est perso, si vous aimez bien faire du New Game Plus, peut-être que ça vous plaira. Je vous dis à très vite. Bye bye.